Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le jeu SimRail. Aujourd'hui, je vais vous présenter la procédure de démarrage de la locomotive ED250. C'est le train voyageur grande vitesse du jeu qui est plus connu sous le nom de Pendolino. Alors pour cela, je vais partir en conduite solo. Pour cette loco, pour la ED250, celle-ci, on n'a pas de tutoriel de démarrage. On a les deux scénarios ici. Je ne sais pas si sur l'autre ligne, on a encore également quelques scénarios. Non, on a juste les deux scénarios ici. Alors, je vais prendre, lancer le premier. Avec la dernière mise à jour, on a eu l'implémentation de l'ETCS pour cette locomotive. C'est très pratique hein, parce que comme le train il roulait à 200 km/h, juste en regardant sémaphore sur le bord de la voie pour voir qu'un kilomètre et demi plus loin on doit s'arrêter, c'était pas toujours évident. On n'a pas le temps de freiner. Puis là, avec le mode ETCS, on est averti informatiquement là, sur l'écran du tableau de bord et on peut réagir plus rapidement et anticiper les réductions de vitesse. Alors là, je monte dans la locomotive. Première chose à faire sur le panneau arrière, on va enclencher la batterie. Ici, on va activer la cabine. On peut presser le bouton ici pour arrêter l'alerte. Ensuite, on appuie sur le bouton de circuit de contrôle ici et on peut lever le pantographe arrière. Le pantographe arrière, le pantographe, il va pas se lever si on n'a pas d'abord pressé ce bouton avant. Et là, sur le panneau, ici, vous voyez cette lumière qui s'est allumée sur la ligne pantographe pour indiquer que le pantographe est levé. Et ensuite, ce qu'on peut faire ici, c'est fermer le disjoncteur principal. Et on aura encore des lumières en plus qui vont s'allumer. Comme ici, vous voyez. Ensuite, on va déjà mettre l'inverseur sur marche avant. Pour pouvoir avancer avec le train, il faut que toutes les lumières rouges ici sur ce... Le panneau supérieur soit éteinte. Là, on voit pas trop bien. Alors, on peut descendre le pare-soleil électrique. Voilà. On voit comme lumière ici. Cette lumière indique qu'on a le frein à main là qui est encore frein d'immobilisation. C'est le bouton ici pour le désactiver. Voilà. Et puis, on a encore le frein du train. Alors, on va faire un desserrage grand débit. Je vais laisser appliquer une partie. Voilà. La radio n'a pas d'information de canal. Elle est déjà allumée. On est sur le canal R1. Donc ça, c'est bon. Pour les feux, ici sur cette série d'interrupteurs, on a les trois interrupteurs ici tout à droite. Par exemple, ici on a un interrupteur pour le troisième phare, mais ça fait rien du tout. Si par exemple je l'éteins, on peut voir à l'avant qu'il est toujours allumé. En fait, il n'y a aucun de ces trois interrupteurs-là qui semble répondre au niveau de l'éclairage, mais on peut utiliser les interrupteurs ici sur le panneau arrière. Par exemple, ici on peut se mettre en mode manœuvre. On voit qu'on a que le phare droit qui est allumé. Ou bien on peut mettre feu rouge. Puis on voit que les feux sont allumés en rouge. Donc la manipulation au niveau des feux se fait sur le panneau arrière ici. Voilà, on va contacter l'aiguilleur.
look at the 4500 video check. This is Katowice. I read you loud and clear. Katowice 4500 is ready. Thank you. Wait for signal. Voilà, le signal a été changé. On peut avancer à 40 km/h. Alors là, quand on désactive les freins, hein, on doit attendre que cette aiguille-là vienne à zéro pour que cette lumière ici s'éteigne sur le tableau. Et seulement à partir de ce moment-là, on peut appliquer le manipulateur de traction. Sinon, on ne peut pas démarrer. Là, je vais remonter le pare-soleil. Ah, petite chose que j'ai oublié de faire. Là, j'ai une alerte qui s'est déclenchée parce que j'ai le système TCS ici. Pour le TCS, il y a deux possibilités. Vous pouvez le désactiver ici avec ce bouton sur le panneau arrière, isolement EVC. Ou bien vous remplissez les informations ici pour le préparer. Alors pour cela, on doit d'abord entrer l'ID du conducteur. Là, on peut mettre n'importe quoi. Je confirme avec Enter. Ici, on doit choisir le niveau. Là, comme on n'est pas dans une zone ETCS, on choisit le numéro 5, SHP. Tout cela est expliqué dans un... Tout cela est expliqué dans un tuto du mode ETCS. Je vous le présenterai également dans une autre vidéo, mais pour cette vidéo, vous pouvez simplement suivre les informations ici. Ensuite, on doit remplir les données du train. Pour cela, il n'y a qu'un type ici. On choisit 1. On répond par oui. Et puis on doit encore ici entrer le numéro du train qu'on voit ici en haut dans l'horaire à gauche. On a le 4500, Enter, et ensuite on peut choisir début, on confirme, et là on est prêt à démarrer. Alors j'attends que l'aiguille ici soit zéro. Vous voyez, même si là on n'a plus rien du tout, ça ne veut pas dire qu'on peut démarrer. Il faut vraiment attendre que l'aiguille là soit à zéro. Et puis si vous avez le manipulateur de traction qui n'était pas ici tout en bas, il faudra revenir tout en bas pour que ça détecte. Voilà, puis comme ça, on peut avancer sans avoir d'alerte et d'arrêt à cause du système TCS. Ici, on voit qu'on doit mettre le canal R2 pour la radio. Voilà. Avec un petit bonus de 10 points pour l'avoir fait correctement au bon moment. Et on va s'arrêter en gare de Katowice. Malgré les explications, on n'a pas trop de retard.
Voilà, et une fois qu'on est à l'arrêt, on peut ouvrir les portes. On a un bouton ici pour ouvrir les portes côté gauche et ici pour ouvrir les portes côté droit. Donc on devrait repartir à l'heure. On ferme les portes. On entend le bip bip là, hein, tant que les portes ne sont pas fermées. Voilà, et maintenant c'est bon. On attend que la pression soit bonne et on peut partir. On a aussi la possibilité d'utiliser un régulateur de vitesse. C'est cette commande ici. Et puis on peut voir sur l'écran de gauche, tout en haut, on a l'indication de quelle vitesse on veut utiliser, sur quelle vitesse le régulateur est réglé. Voilà, là je viens de le mettre à 40 km/h. Là on peut accélérer à 70, mais dans 400 mètres on est de nouveau limité à 40 km/h. Et je peux mettre autant de puissance que je veux. Le train va pas dépasser cette vitesse de 40 km/h. Quand on descend la vitesse, ça se fait par 5 km/h. Et quand on augmente, ça se fait par 1 km/h. Là, vous voyez, c'est par exemple. Je vais attendre le passage du signal pour confirmer l'alerte. Voilà. Par exemple, ici, si je descends, ça passe à 35. Et si je monte. Je peux monter de un par un. En restant appuyé sur le bouton, on peut augmenter plus rapidement et réduire plus rapidement. Par exemple, quand on augmente, ça augmente d'abord de 1, ensuite de 5, ensuite 10, et ainsi de suite. Bon, je pense que le maximum, c'est 10. Ici, on a un panneau de limitation de vitesse à 100 km/h. Alors on doit attendre que l'arrière du train ait franchi ce panneau et ici en bas à droite, on aura la vitesse qui va passer à 100 km/h. Pour le moment, on a le sémaphore devant qui est encore rouge. Là, vous voyez, hein, 100 km/h. Le sémaphore est devenu vert. Donc ce que je peux faire, je peux monter la vitesse. À 100 km/h, et si on a suffisamment de puissance, le train va accélérer. Du coup, je vais réduire à 70 de nouveau parce qu'on a une limitation bientôt. Approche d'un passage à niveau. Alors ici, on peut continuer normalement.
On a la vitesse à 100 km/h. Sur le pare-brise, au fur et à mesure du temps, là, on peut avoir des taches, par exemple, des insectes qui s'écrasent sur le pare-brise. Vous pouvez faire aller les essuie-glaces. Et vous voyez que ça part pas du tout. Mais on a ici, on peut mettre du lave-glace. Et vous voyez qu'après, la tâche s'en va. Bon, là, j'ai pas fait assez longtemps. Voilà. Et vous voyez, au fait, la tâche a disparu. Je trouve que c'est vraiment excellent ça, qu'on doit encore remettre du lave-glace pour enlever les insectes. Il suffit pas de mettre en marche les essuie-glaces. Voilà, et bien c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo concernant le démarrage du Pandolino. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide à faire progresser ma chaîne. Je vous remercie d'avance et je vous dis à bientôt. Salut!